Et la position de la main de basket
Bon après-midi et retour donc au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé pour le match ultime du groupe B. C'est le match de la décision au terme duquel on sera donc fixé sur les deux qualifiés de cette poule pour les demi-finales. Pour l'instant, cela se dispute entre ABC de Côte d'Ivoire, AS Police et Manga Basketball du Gabon. Les deux équipes ont remporté chacune deux matchs, mais il y a une différence au niveau des points. Plus 12 donc pour ABC, moins 2 pour AS Police et il y a un gap de moins 10 pour Manga Basketball. Notez-le, en cas de victoire tout simplement de ABC de Côte d'Ivoire, eh bien l'équipe sera la première, AS Police deuxième, Manga Basketball tout simplement éliminé. Mais en cas de victoire de BC Mazembe, attention, cette fois-là c'est Manga Basketball qui sera donc en première position, suivi de AS Police. Vous comprenez donc le dénouement. C'est à la fin de cette rencontre qui, elle, oppose AMBC de Côte d'Ivoire et BC Mazembe. C'est le deuxième match, le dernier du championnat intégral dans le groupe B. Groupe B qui a déjà connu l'élimination, on va le dire, d'une équipe. Elle est complètement hors course. C'est le BC Mazembe qui ne joue plus pour un enjeu pour la suite de la compétition. Donc c'est plutôt entre ABC, AS Police et Manga Basketball qu'il y a deux tickets à répartir donc entre les trois de ce trio. On le verra bien à l'issue de cette rencontre, alors que les équipes prennent les dispositions. L'équipe de ABC Mazembe est bien sûr présente le plus petit effectif de cette compétition avec 9 joueurs seulement, alors qu'à l'inverse, ce sont 12 joueurs qui défendent donc les couleurs d'ABC de Côte d'Ivoire. Vous comprenez qu'il y a des ressources dans le banc de touche de l'équipe abidjanaise qui, elle, peut compter sur deux joueurs clés. Il y a Jordan Reed qui est de nationalité américaine, meilleur marqueur de cette équipe, bien qu'il évolue au poste d'arrière. Il y a également le joueur Rodrick Ebondo qui est le pivot arrière de cette équipe. Il est bien grand, 1m99, et c'est lui qui arrive à donner du tonus à cette équipe en zone de défense, l'arrière de cette équipe. Il y a également Benoît Sier qui est l'un des meilleurs marqueurs de cette équipe d'ABC d'Abidjan, qui est une équipe forte à l'ouest de l'Afrique. Justement, ce tour éliminatoire concerne la division ouest. On vous l'a dit il y a 48 heures, eh bien, cette compétition a son pendant. Il y a une compétition parallèle qui se joue du côté de Kigali. Et là, il s'agit de la division Est. Elle aussi devra produire là-bas les trois qualifiés qui vont s'associer aux trois de la division Ouest avant de rejoindre les six premiers qualifiés. Ensemble, les 12 vont donc disputer la saison régulière entre le mois de mars et celui de mai en 2020 prochain. Bon après-midi, Baldin Sama. Once more, good afternoon to you, Evariste Yengan. Good afternoon to the thousands of viewers of CRTV Sports and Entertainment. It's match number 2 of the second round qualifiers. The three action here at the Yaoundé Motopopo Sports Complex. The second match is pitting BC Mazembe of the Democratic Republic of Congo on your screens, dressed in all blue, against ABC of Abidjan, Côte d'Ivoire, dressed in all white. BC Mazembe of the Democratic Republic of Congo, one of the best basketball teams in that country,
with his very, very impressive experience in terms of basketball. 9 times winners of the Cup of Congo, and they won the 2019 edition of the Cup of Congo as far as basketball is concerned. And in Africa, her best performance is the 4th ever ranking they occupied in 2009. They will have so far been considering, they just considered the first points in this match. That is, the first 2 points of the match have gone in favor of ABC of Abidjan, Cote d'Ivoire, dressed in white. They are leading 2-0. 2-0 against BC Mazembe of the Democratic Republic of Congo. These two teams that know themselves so very well. As BC Mazembe in blue, unfortunately, that was Kapongo Kabuya, who did not see his throw get into the basket to have been able to have permitted his team to secure any points so far. And here comes another 3-point attempt for BC Mazembe of the Democratic Republic of Congo. And that was Fula Voli, unfortunately, he didn't see his shot get into the net with ABC of Abidjan, Cote d'Ivoire, that bounced back with a successful 3-point throw there. That increases the points tally to 5 points so far for ABC of Abidjan, Cote d'Ivoire, that bounces back through a certain Stéphane Konate, who did not succeed with his throw. And here comes Bese Masembe. Unfortunately, it was a poor throw there by Kabuyi Manga had a poor throw with this unsuccessful attempt that retaliated from Stéphane Konate for ABC of Abidjan, Cote d'Ivoire. So far, it's a Mickey Mouse game, a show of experience between the two teams. 5 points for ABC of Abidjan, Cote d'Ivoire, and 0 points for BC Mazembe of the Democratic Republic of Congo. Un score, Baldwin, qui indique la tendance de ce match. 5-0 pour ABC, l'équipe qui est donnée favorite sur le papier pour avoir remporté un match déjà ici, alors que l'équipe de la République démocratique du Congo a perdu toutes ces deux rencontres. Vous comprenez que la motivation est à sens unique. C'est bien ABC qui cherche sa qualification. C'est bien ABC qui cherche à terminer premier de sa poule pour croiser le deuxième du groupe du Cameroun, le deuxième du groupe A. C'est bien cela, vous le savez. Les demi-finales se jouent de manière croisée, donc à partir de samedi prochain. D'ailleurs, les deux se tiennent le même jour. The players of BC Mazembe in blue coming back on the court after having listened to some instructions from their respective coaches. Meanwhile, those of ABC of Abidjan, Cote d'Ivoire, are still consulting and still talking to themselves and getting some advice from their respective coaches equally. Given that ABC of Abidjan, Cote d'Ivoire, they are so far leading with 5 points as against 0 points for BC Mazembe of the Democratic Republic of Congo. The Congolese, who are psychologically inferior in terms of numerical presence in Cameroon, with the number of players they came to the nation with, participating in this second round qualifiers for the African Basketball League. As ABC of Abidjan, Cote d'Ivoire, retaliates with this 3-point, unfortunately didn't get into the basket. BC Mazembe Placide Makitu, what does he do? He finds Ramazon Nsase. The beautifully combined with a 3-point. Les deux premiers points donc de BC Mazembe depuis le début de cette partie. On joue avec Jordan Reed, l'Américain de l'équipe d'Afrique de l'Ouest. ABC de Cote d'Ivoire. Ah, il y a faute. Il y a faute. On n'en a pas vu hein, depuis le début de cette partie, de faute. Il s'agit de la toute première sortie latérale exécutée par Jordan Reed. ABC, il a attaqué. Attention. Ah, elle est contrée.
Et il ne faut pas compter sur lui. Il ne faut pas compter sur Kabuyi Manga. Le géant de 2m12 à la raquette est presque imperturbable. Il vient d'en faire démonstration. Vous l'avez vu sur cette occasion. Il avait permis à son équipe Bessé Mazembe d'aller immédiatement en situation de contre-attaque. Rolim Fula Nganga pour son premier lancer franc. La deuxième tentative pour le Congolais Rolim Fula. C'est dedans. Trois points donc pour le Bessé Mazembe. La deuxième réaction de cette équipe qui jusqu'ici était menée à 5 points à 0. ABC. Ah, il a oublié sa balle. Fort heureusement, Jordan était à la rescousse. Le shoot, c'est l'extérieur. La balle qui rebondit va tenter d'attaquer l'anneau. Attention à la mauvaise réception. Le boulot est achevé par Jordan Ritz. L'Américain de 1m93 de l'arrière. Qui est justement dans une position en second est venu en rescousse pour rétablir l'ordre. Ah, le voici, Kabuyi Manga, le pivot de cette équipe. À qui vous démontre hein, sa grande capacité à la raquette, aussi bien en position offensive qu'en situation d'arrière proprement dite. Allez, ABC, à nouveau, l'équipe qui cherche la première place. Sié, il a été retenu, mais c'est négligeable. L'avantage à ABC et les trois points. Il a réussi à atteindre les filets, Stéphane Sornan Konaté. Il est parti encore, Jordan Reed. Ah! Il s'est obligé à la faute parce que Jordan Reed avait attaqué déjà la plaque et l'anneau. Il n'avait pas autre solution que de trouver un moyen d'empêcher l'Américain de pouvoir placer cette balle. Eh bien, Kalama Luleye qui occasionne donc une situation de deux lancers francs. Et voici l'Américain Jordan Reed. Le premier est rentré pour celui qui avait déjà marqué 6 points. Il va chercher son 7e donc à présent par ce 2e lancer franc qui ne va pas rentrer. La récupération pour les Bleus de la République démocratique du Congo. L'une des équipes qui n'ont remporté aucun match depuis le début de la compétition. Ce 2e tour éliminatoire. Il faut d'ailleurs dire que le BC Mazembe arrive ici, on ne dira pas de manière miraculeuse, mais en réalité, le BC Mazembe au premier tour avait subi les foudres de Fab de Yaoundé. Ah, le géant que je vous recommandais, 2m12, Kabuyi Manga, dans son premier dunk donc de ce match. Oh, et quel dunk, quel slam, c'était sans élan. Le shoot, c'est à côté. Ah, on va le suivre. On va le suivre particulièrement. Il a de la matière, Kabuyi Manga. Le pivot de l'équipe de la République démocratique du Congo qui vient de nous gratifier d'un joli spectacle tout à l'heure. Ce slam sans élan aucun. Ah, le voilà qui va tenter le shoot. Ah, il a attendu alors qu'il avait devant lui l'armoire à glace. Kabuyi Manga, à qui n'a fait que son boulot, contré. ABC de Côte d'Ivoire. Sié, ah, qui n'obtiendra rien. Ah, ça doit être compliqué pour les attaquants d'ABC de Côte d'Ivoire. Peut-être que la solution est tout autre que d'attaquer l'anneau. Il vaut mieux tirer à partir de la ligne des trois points pour éviter de rentrer dans le ventre de Kabuyi Manga. Parce qu'avec ses 2m12 de hauteur, eh bien, il supplombe la zone de raquette. We are less than 4 minutes to go to the end of this first quarter. 10 points for ABC of Abidjan, Côte d'Ivoire. 7 points for BC Mazembe of the Democratic Republic of Congo.
It is the second match of the day, and here comes a free throw for the Democratic Republic of Congo. And I see Lassina Konate, who concretizes that free throw, increasing the points tally of ABC of Abidjan, Cote d'Ivoire. Lassina Konate once more to make use of that free throw that gets to the net. It gets into the net for an additional point, 12 points so far secured by BC Maccabi. Here comes Jordan Reed, who gets another 2 points. Jordan Reed. What pour Jordan Reed, avant de savoir jamais, il est embarrassé devant l'anneau. Il sait exactement quoi faire. That is it. He's an experienced American basketball player who is lending his services to ABC of Abidjan, Cote d'Ivoire. There are many of them Americans lending their services to the different participating clubs in these qualifiers for the maiden edition of the African Basketball League. They have selected different clubs, and that was a failed 3-point attempt shot there from ABC of Abidjan, Cote d'Ivoire. We're saying a while ago that Jordan Reed, this exceptional and talented American basketball player who lends his services to ABC of Cote d'Ivoire, has been able to secure as many as 8 points for his team in this tournament. And there you come with Bessie Mazembe for the Democratic Republic of Congo, who are trying as much as possible to reduce the points gap between them and ABC of Abidjan, Cote d'Ivoire. It was Placide Makoutou recently. And here comes another 3 points attempt there, but unfortunately the shot by Stéphane Konate did not get into the net. He did not get into the net. And they stay on 14 points for ABC of Cote d'Ivoire. Beautiful control from the Congolese. And here comes another 2 points. Beautiful 2 points to throw there by Kabange Kamu of BC Mazembe of the Democratic Republic of Congo. They have increased their points tally to 11. And we have just 3 points. I should say they have increased their points tally to 13. As against 16 points for ABC of Cote d'Ivoire. 3 points difference. Let's listen to the coaches talk to the players. Ils sont trois. Trois joueurs uniquement ont marqué les 16 points de l'équipe d'ABC de Côte d'Ivoire. Jordan Reed avec 8 points à lui seul. Lansina Konate, 4 points. Et l'autre Konate, autant de points également. Konate qui est le capitaine. Stéphane Konate, 4 points aussi. La récupération. Jordan Reed, c'est les 3 points qui sont dedans. Pour l'Américain à nouveau, dans une belle expression offensive, le shoot congolais pour donner réponse au shoot précédent. Le capitaine Konate Stéphane, Jordan Reed pour Benoissier. Benoissier, il rentre seul. Oh mon Dieu, quel courage! Quel courage d'affronter en face Kabuyi Manga, le pivot de l'équipe BC Mazembe. On peut le revoir. Ah voilà, le chemin qui se referme devant lui. Ah, c'était pas évident pour lui, c'était courageux pour lui de vouloir rentrer dans la surface de raquette alors que le veilleur en chef était en bonne place, Kabuyi Manga. Ah bah fort heureusement, il y a quand même un lancer franc. Lancer franc pour ABC de Côte d'Ivoire. Ah bah, qui de toute façon est obligé d'aller à l'abordage. Il faut absolument une victoire pour terminer premier de sa poule. Et voici Abdoulaye Traoré.
Abdoulaye Traoré pour la deuxième tentative. Elle est aussi dedans. 21 points donc pour ABC de Côte d'Ivoire. ABC of Côte d'Ivoire, 21 points, 16 points of BC Mazembe of the Democratic Republic of Congo. 5 points difference between the two. As the guys in blue from BC Mazembe of the Democratic Republic of Congo. Here comes Placide Mokitu, who beautifully combines with one of the tallest, Kabange Kamu of the team, but unfortunately didn't succeed as ABC came in there via a certain Benoissier, but unfortunately he was fouled. Benoissier was fouled. And what has the referee decided? There's going to be, it was fouled there, and it's certainly going to be a free throw for ABC of Abidjan Côte d'Ivoire. And I see to execute that free throw, Benoissier himself, who is going to try to increase the points tally of ABC of Côte d'Ivoire. They were standing on a 21 points so far. What does he do? He gets into the net. A successful free throw so far for Benoissier, who takes his team's points tally to 22 so far. And this is the second free throw attempt by Benoissier. He takes his time and concentrates and shoots, and it gets into the basket. It gets into the net for point number 23 for ABC of Abidjan Côte d'Ivoire, with the Congolese who are trying to not allow themselves with this three-point shot attempt. But unfortunately, it wasn't possible for the Congolese, who continue multiplying the three-point shot attempts. And finally, it is successful. They have a certain Fuka volley, who secured three extra points for BC Mazembe, as the Ivorians retaliate via ABC of Abidjan Côte d'Ivoire. We are playing some 1 minute, 4 seconds to the end of this first quarter of the match. It becomes more and more lively, becomes more and more exciting with the players of the Democratic Republic of Congo. Here comes Kapango Kabuya with his height, impressive height. The Congolese are making use of their height, and Kapango tries, but unfortunately he doesn't succeed as the Ivorians bounce back through. Stéphane Konaté will get an additional 2 points lead for ABC of Côte d'Ivoire, who've taken their points tally so far to 25 points, as against 19 points for BC Mazembe. Another 3 point attempt from BC Mazembe, but unfortunately not successful, as Benoissier beautifully combines there with Lassina Konaté, who was fouled. A lot of fouls been committed, personal fouls been committed, as we count the number of seconds, 20 seconds to the end of the first quarter. Et une tierce en plus, ce serait peut-être un bonus. C'est possible que cela puisse rentrer en ligne de compte en cas de money time. Alors le lancer franc pour ABC. Ça rentre pour Lansina Konaté. La deuxième tentative pour les derniers lancer franc de ce premier carton. Lansina Konaté, cette fois-ci, c'est à l'extérieur. 14 minutes, 14 secondes à jouer. Le shoot et les 2 points de BC Mazembe. Rolim Foula, qui pratiquement était en position de lancer franc sur cette action. C'est terminé pour le premier carton, avec un avantage de 4 points pour ABC de Côte d'Ivoire, 25-21. Et bien pour l'instant, l'équipe est sur le chemin de son objectif, remporter absolument ce match pour terminer premier, être d'une part qualifié pour la suite et aussi rencontrer le deuxième de la poule du Cameroun. Donc,
C'est ça. D'accord. Reprise donc de la partie deuxième carton qui débute à l'instant. Le chrono est de 10 secondes. Ça, c'est connu. L'avance au score est de 4 points, 25-21. L'avantage d'ABC, c'est connu aussi. Ce qui est inconnu, on va le découvrir durant les 10 prochaines minutes. Le début de cette partie, après que chacun aura enfilé, hein, c'est une exigence. Ce n'est qu'un rappel hein, que fait en ce moment le directeur de la partie. Alors, le capitaine d'ABC, Stéphane Konaté, pour Sié. Konaté à nouveau. Pour Eric Afi. Le premier shoot qui va rentrer. Et les trois points d'ABC. En ce début de deuxième manche, Sié. Le meilleur de cette équipe. Ah oui, il contribue hein, assez à rassurer ses coéquipiers par le bon contrôle, comme à l'instant, cette balle est récupérée presque à la sortie latérale. Stéphane Konaté, Benoît Sié qui avait rabattu sur Désiré Arsène Koné. Le shoot des trois points pour celui de Contrebarquet. Le meneur, lui, Cyril Jean-Benoît Arsène Abraham Sié. And the Congolese were trying to reduce the points tally. The points difference so far, it's 10 points difference between ABC of Abidjan Côte d'Ivoire and BC Mazembe of the Democratic Republic of Congo, just in blue. As they try to make use of this other 3 points attempt, but it wasn't quite successful. Time for the Ivorians of for ABC of for Côte d'Ivoire to calm the game. Benoît Sié there. Benoît Sié in dire need of help. He tries to penetrate into the Congolese on half of the field with this beautiful 3 points attempted throw there. But unfortunately, Stéphane Konaté throw did not get into the net. It's not getting to the net, which would have been able to increase the points daily for the Ivorians. Here comes the Congolese with one of the tallest players in the person of Kabu Yimanga. Kabu Yimanga. Qui lui a tenté de faire du ménage hein, en fait pour remonter. Quite difficult. Il est énorme ce joueur. That is it, Kabu Yimanga. For the Democratic Republic of Congo. Benoît Sié, who's been quite impressive, very, very present, very, very combative, Benoît Sié. For ABC of Abidjan Côte d'Ivoire, he still searches for one of his players. He found one of them, beautifully combined, and he was fouled there. A personal foul, which the referee detected. But the referee has detected a personal foul against an Ivorian player and says it's going to be a free throw for ABC of Côte d'Ivoire. And I can see Afi Eric Anderson on the ball. Afi Eric Anderson is going to execute that free throw. A successful free throw that gets inside the net for an additional point for ABC of Côte d'Ivoire. They increase their points tally to 34 points so far. Afi Anderson once more on the ball. For the second free throw attempt, is he going to succeed with that free throw attempt to increase the points tally for ABC of Abidjan Côte d'Ivoire in this match? This is the second quarter we are playing of match number two for this Thursday. Afi Eric Anderson concentrates and shoots, and it gets into the net. Successful and beautiful. 1 point secured for ABC of Côte d'Ivoire. Time for timeout. Allez vite par les familles.
Reprise du match après la petite pause. Reprise de la partie donc après le temps mort. Sorti. Pour le WC Mazembe. Voilà. WC Mazembe. La première tentative et le contre du capitaine Stéphane Konaté. Ah, qui n'a laissé aucune chance à Roli Foula au moment de son shoot. Ah, c'est le contre parfait. À distance respectable, il n'a cueilli que cette balle au moment où elle décollait de la paume de main de Roli Foula. Ah ouais, c'est académique. Parce qu'il faut éviter tout contact physique, c'est l'idéal. Bien que si le prend de la pratique, très souvent cela donne lieu à d'autres situations. Parfois des frictions. Et des fautes volontaires aussi. Hein. Benoissier. Pour le capitaine Stéphane Konaté sur le départ, il rentre sur Benassier, le shoot. Ouh là là, alors qu'il a été balayé de l'autre côté, le tireur. On avait vu Benoissier qui avait ajusté son tir. Heureusement qu'il est, il est d'une résistivité à un autre pareil. C'est une qualité de meneur aussi, hein, pouvoir subir les coups sans fléchir. Elle est rentrée, cette balle du 36e point pour ABC. Prochain essai. Pour Benoît Sierre-Victorien. Voici son troisième lancer franc. Ah, ça c'est pas rentré en revanche. Le Congo, Ramazan Zassé cherche l'appui. Ramazan Zassé à nouveau. Il cherche les appuis. Voilà, on va tenter le shoot à 3 points. Beautiful. From Fuka Valley, beautiful. 3 points secured for BC Mazembe of the Democratic Republic of Congo. Benoissier of ABC of Côte d'Ivoire. Beautifully combined with Désiré Koné. He tried to get into what was referred to as the Berlin Wall imposed by the Congolese. He did not succeed. As we play some six minutes, 30 seconds to the end of this second quarter of this second match of the day. It's 37 points for ABC of Abidjan Côte d'Ivoire, 24 points for BC Mazembe. With that poor shot there by Afia Wikanderson of ABC of Abidjan Côte d'Ivoire. Time for the Congolese, who have had it quite difficult. They've had some tough times in this tournament, yet to win a match. BC Mazembe, some will refer to them as the underdogs. Some will say they came into this competition to come and learn, and they actually quite learning. As ABC of Côte d'Ivoire through Benoissier, went higher with a dunk. What a beautiful dunk from Nassina Konaté, who increases the point tally of ABC of Abidjan Côte d'Ivoire. Meanwhile, one of the tallest on the court, in the person of Kabange Kamu, was fouled there. Fouled just in front of the referee, who had to say there is going to be a free throw or two free throws in favor of the Congolese to permit the Congolese to increase the point tally from 24 and why not to 26. L'équipe congolaise de BC Mazembe qui tient absolument à rendre la tâche ardue
ABC de Côte d'Ivoire, puisque BC Mazembe est déjà éliminé. Alors, ils n'ont besoin que d'une victoire pour le moral. L'équipe de la République démocratique du Congo aujourd'hui face à celle d'Abidjan, ABC, qui en revanche a vraiment l'ambition de terminer premier de sa poule. Benoîtier, le meneur, face à l'autre meneur d'en face. L'écran a fonctionné. On va rabattre et le shoot, c'est à côté. On va jouer avec Rolim Foula. La récupération, Benoîtier. Benoîtier, la passe pour Lansina Konaté. Ah oui, qui était carrément pourchassé là par trois joueurs de la République démocratique du Congo. Il a dû se battre comme il a pu. Il a obtenu une sortie à partir de la ligne de fond. C'est une bonne possession. Une bonne possession qui donne lieu à deux points. 41-26. Placide Mokitu. Placide Mokitu pour Camille Kabangé qui permet à Rolim Foula d'inscrire deux points pour le BC Mazembe. Benoîtier, Stéphane Konaté pour Désiré Koné. Désiré Koné, Benoîtier. Il est passé, Benoîtier. La passe. On va reprendre avec Stéphane Konaté. Ce n'est pas rentré. Ah ouais. Vous avez suivi l'alerte en fond. Eh bien, ils ont dépassé les 24 secondes avant de shooter. Donc, le temps du shoot avait expiré. Donc, sous la raquette. Le shoot. Il ne trouve pas le cadre, j'ai voulu dire le cercle. Benoîtier, le shoot à distance. Et quelle adresse d'Eric Anderson à fille. L'arrière, Ivoirien, à qui donne aussi de sa contribution. C'est son septième point qu'il venait d'inscrire. La faute sur le géant congolais qu'on peut revoir ici. Ah oui. Kambui Manga. Ah, qu'il ne faut pas gêner quand il est sous la raquette. En situation offensive et même en situation défensive. Kambui Manga pour le lancer franc. C'est à l'intérieur. Kambui Manga. Et c'est aussi à l'intérieur. Imperturbable, ce pivot. Toujours taciturne. Qui va s'offrir un peu de repos après les efforts débauchés en ce moment. Il y a remplacement aussi. Côté ivoirien, je pense que c'est Lansina Konaté qui va céder sa place à Abdoulaye Traoré, celui qui va donc sortir cette balle. Et c'est fait. Désiré Arsène Koné. Koné. Aidé par Afi, la feinte d'Afi qui rentre. Ah, il n'a pas achevé son boulot. Qui était pourtant bien entamé. Le dribble, les départs, la montée et puis le dépôt. C'est pas rentré. On recommence avec un shoot à 3 points. 7 à côté. Le rebond, il est parfait. Pour Kwadio, Kwadio Michael. Koné. Koné pour Kwadio, Kwadio. Ah, il y a faute sur Koné. Il y a eu une obstruction
Voici Quadio. Quadio qui va effectuer la remise en jeu latérale. C'est effectif. Faman connaît l'autre, connaît cette équipe. Il y a des duos de noms. Il y a deux Konaté, il y a deux Koné. C'est dedans. C'est dedans. Avec le grand concours de Mohamed Kaboué, Karaboué. 12 points d'écart à l'avantage de l'équipe d'Afrique de l'Ouest, BBC, ABC de Côte d'Ivoire. Ah, il y avait faute. Armée de terre manquée. Côté BC Mazembe. Karaboué pour ABC, 32 pour BC Mazembe. Deuxième carton pour lequel il reste Balin Sama. 2 minutes 46 secondes à jouer. Less than 2 minutes 40 seconds to go to the end of this second quarter of this match. And the Congolese don't want to relent their efforts. And here comes another Congolese offensive here, but unfortunately, it wasn't possible for Mohamed Karaboué's ball to get into the net as the Ivorians retaliate a few minutes later with this 3-point attempt by Désiré Koné. But unfortunately, his ball didn't get into the net and didn't succeed to permit his team to grab or to secure 3 additional points as the boys of Bézé Mazembe look out for, work on all, everything he means. Every opportunity they can have, thanks to a certain Kabange Kamu with his impressive height. Kabange Kamu there permitting his team to get 2 additional points inside this encounter. We are counting the minutes that are dying down to seconds. Here comes the Ivorians who are retaliating. Faman Koné beautifully combines there with it was Stefan Konaté who's shot or who's throw to get into the net, permitting the Congolese to retaliate. It's a Mickey Mouse game as the players of both teams get instructions. And we want to listen to some instructions from their respective coaches, given that it's going to be, the outcome of this match is going to be quite decisive as concerns the future of either teams in this competition. The quest happens to be pick a place or pick a qualification ticket for the semifinals that eventually will permit you to either get a place for the final or having picked a place for one of the 3 available tickets for the African maiden edition of the African Basketball League. And disappointing performances so far for a team like Bézé Mazembe of the Democratic Republic of Congo that is coming at a point in time when their football sister team, I think, should be of the same school, of the same family, Tupuisa Mazembe. They are celebrating 80 years of existence over there in Congo, in the Democratic Republic of Congo, with a big, big ceremony that was organized yesterday in Kinshasa in the presence of Samuel Eto'o of Cameroon, the president of FIFA Gianni Infantino, and the president of CAF Ahmad Amat, to celebrate 80 years of Tout-Puissant Mazembe, the Mazembe family in Congo. Ah oui, le Tout-Puissant Mazembe, déclinaison footballistique de cette équipe qui a plutôt meilleur raisonnement sur le continent. C'est l'une des clips dominatrice du football au sud du Sahara. Ah, équipe régulière en Ligue des Champions africaine. Et Balune de s'interroger pour le cas du pendant basketball de Mazembe qui ne donne pas la même résonance continentale avec des résultats en demi-teinte, avec une participation régulièrement insignifiante sur les compétitions continentales. L'alter ego donc du tout puissant Mazembe, le BC Mazembe. À l'instant c'est rentré. Roli Foulan a réussi. Roli Foulan, Ganga. Mohamed Kaboué. Koné. Koné. Pour l'autre Koné. Quadio, Quadio qui a loupé son dépôt. Heureusement qu'il était à la rescousse. Il est venu en appui à Boulaye Traoré. En réussissant le et hop.
Cette balle qu'il est venu ramener dans le filet. Koné. Qui va trouver Karaboué. Karaboué, il est allé tout seul. Et il obtient un double résultat. D'abord les deux points, objet de son attaque. Et aussi, en deuxième jet, il obtient le lancer franc. À ce qu'il donne donc l'occasion d'inscrire 3 points immédiatement pour son équipe. Oh, il n'y arrive pas. Le shoot à bonne distance. C'était bien compliqué pour Rui Fula. C'est terminé. C'est terminé pour la première moitié de ce match. ABC 49 points. BC Mazembe 39, donc 10 points séparent les deux équipes au moment où on franchit donc la moitié de cette rencontre, l'ultime. On vous a dit que c'est le match arbitral hein, de cette poule, lui qui va indiquer finalement l'équipe, les deux équipes qui seront qualifiées pour les demi-finales, on le saura. Il ne nous reste plus que 20 minutes chrono arrêté à jouer. La petite pause. On revoit les moments importants de ce match. Et juste derrière, on se retrouvera pour la dernière partie du match, la deuxième manche. Mesdames et messieurs, le tirer par contre du score sur le tableau, le score sur la marque, c'est 49-39. Il y a eu un glissement dans la machine, c'est 49-39. Je fais un coup pour mon frère, excellence, il y a là, à côté de Charlie. Yes, sir.
la défense, on a mis surtout ça la défense à Marcas. Toi, tu es la barre. Pas la l'orientation Marcas. Moi, j'ai. Hé, hé, on a ballon, on se sent. Il y a ça pour nous. Comment on se moque de bas? Comment on se moque de bas? Moula, t'as chose en 15, ni mon nom, mais. Ouais! Gauche. Ah voilà, on vous a gratifié le peu de Lingala, vous l'avez entendu donc en fonctionnant l'échange entre... Bonjour Ballot Kimbang. Arsène, Lingala, combien de gars on a ballon? Vous les entendre entre les joueurs du tout puissant Mazembe. Armé à toi, on a dit que nous n'avons pas de Chino, qui s'est tourné à Rudy. De ce match, le troisième carton fait. Voilà, on va commencer dans 16 secondes. Ce sera donc l'avant-dernier acte de ce match. Match, on vous l'a dit, arbitral. Pour la fin de la phase intégrale, le championnat intégral du groupe B. Le tout-puissant. C'est BC Mazembe qui inscrit ses 3 points en ouverture du troisième carton. Konaté. Ah, c'est bien joué. Il faut aller jusqu'au bout. Elle n'est pas rentrée. La récupération. Une situation de contre-attaque. Ils sont 4 contre 2. Comment on va gérer cela? Il monte, c'est rentré, c'est dedans. C'est dedans, Rolim Fula, Nganga. Le Congolais poste 3 de cette équipe. Poste 3, en fait, il est extérieur. Il joue au poste d'ailier. Le capitaine pour Sier. Sier le shoot. Et la balle qui lui revient en effet, boomerang. Il s'est bien rattrapé à Benoît Sier, que voici déjà en train de gêner son homologue d'en face meneur. Alors, la balle qui est disputée sous la zone de raquette. Occasion de shooter. On hésite encore, on continue. Ce n'est pas rentré. Ah, ça l'est finalement. Les 2 points du BC Mazembe. Les Congolais vont comeback into this third quarter of the match with a lot of anxiety, with a lot of determination, with a lot of a quest to win this encounter, but it hasn't been quite easy, and it won't any longer be easy, given that they have to win, they will have to solve the Ivorian equation. 46 points for BC Mazembe of the Democratic Republic of Congo and 53 points for ABC of Abidjan, Côte d'Ivoire. As it is 7 points that separates both teams, and it's very possible for the Congolese of BC Mazembe to overturn the tables after having lost their first 2 matches in this qualifying tournament for the maiden edition of the African Basketball League. The team blessed with very, very talented and tall basketball players is yet to really, really live up to expectations. And here comes Benoît Sier of ABC of Abidjan, Côte d'Ivoire. In a single move there, beautifully combined with Désiré Koné. What does he do? It's not there. It's a foul play, a foul there against Benoît Sier. Very, very agile, very, very technical player, very, very talented player, Benoît Sier. Who on whose shoulders lies a lot of responsibilities for the Ivorian team in terms of winning in this competition. And given his techniques and his skills in ball conservation rather, Benoît Sier has been able to permit his opponents to commit fouls on him. And here comes Benoît Sier, who penetrates and succeeds, or doesn't succeed to get 2 points for the Ivorian team. ABC of Abidjan Côte d'Ivoire once more with a beautiful combination. Désiré Koné, what does he do? He finds Stéphane Konaté. Stéphane Konaté has been fouled there. It was a personal foul rather by Stéphane Konaté, and the referee says it's going to be an advantage to the Congolese. I see Kambuyi Manga. Rather, that was Placide Makitu.
who beautifully combines with Fukavoli. Fukavoli, what does he do? He's in search of a player. He found Sugbo Emmanuel, and they succeed to get 2 points. Two additional points for the Congolese, and that was Kapange Kamu with his height and impressive height, taking the points tally so far to 48 points for Bese Mazembe, as Benoissier retaliates with an impressive dribble. He was brought down, but the referee says play must continue. A Mickey Mouse game between the Ivorians and the Congolese during this third and very important quarter of this match. 48 points for Bese Mazembe and 53 points for Abese of Abidjan, Cote d'Ivoire. Just 5 points difference between Abese of Cote d'Ivoire and Bese Mazembe. They will have to be very, very vigilant to avoid conceding points, to avoid being caught up by the Congolese in this encounter. They have hopes of winning and keeping alive their hopes of picking the qualification ticket. What a 3 points and what a successful shoot there from Stéphane Konaté of Abese of Cote d'Ivoire, will increase the points tally of the Ivorians, taking their points tally to 56 points so far. Oh, it was quite unsuccessful there. The 3 points shot attempt by that was Tungu Emmanuel of Bese. Bese Mazembe of the Democratic Republic of Congo. The Ivorians, we've been able to prove their worth so far in this encounter, and we are still being able to prove their worth, trying as much as possible to conserve the Congolese. Here comes another 3 points shot attempt there. It didn't get into the net. That was Stéphane Konaté, who still tries with 3 point shots there. Unfortunately, it's not successful for Stéphane Konaté as the Congolese bounce back via Fukavoli. Fukavoli will be beautiful combines with Mwana Asen. 2 point shots there, successful 2 point shots for the Congolese, and that was Kabange Kamu of Congo, who succeeds to give 2 points to the Congolese team, reducing the points tally difference to just 6 points between the two. We are playing some 5 minutes to the end of this third quarter. The match slowly but surely towards the end and becomes more and more enticing and more interesting. Ah oui, puisque l'enjeu demeure le même et que la décision ce sera à l'issue de la rencontre, Baldwin. Donc pour l'instant, il est tout à fait normal que les pics demeurent dans ce match, qu'il y ait toujours de l'effervescence de temps en temps, puisque ABC de Côte d'Ivoire, Abidjan Basket Club, ne veut pas lâcher prise, reste fixé sur son objectif. Les Congolais. Avec cette balle qui retombe entre les deux géants de l'équipe. Rolim Foula, 2 mètres. Et à côté de lui, Kambouyi Manga, 2 mètres 12. Qui trouve facilement solution aux balles qui se baladent dans les airs comme tout à l'heure. Ah, le shoot à 3 points du capitaine Abidjanais. Stéphane Konaté, peut avoir le coup de sifflet qui indique le temps mort. 59-52 ABC. Reposez-vous les gars, Suite du troisième carton pour les 4 minutes et 43 secondes qui restent à jouer. Sortie de balle
La possession est donc bleue, comme vous le voyez. À la Mata, et en ce moment, Arsène Mwanga Mwamba. C'est rentré. C'est du bon béni pour Rolling Fula. Le capitaine Stéphane Konaté qui trouve Sié de l'autre côté qui a été remballé rapidement. Ah oui, parce que il a commis cette erreur grave de rentrer entre les longs bras de cette défense de Mazembe. Sortie de balle, Benoissier. Stéphane Konaté, le shoot sans effet. Ah, on va rechercher le géant et qui ne fait que son boulot. Oh, malheureusement, il y avait un souci à la base, il n'en revient pas lui-même. Kabuyi Manga, le pied était à l'extérieur au moment de réceptionner cette balle. Ah, c'était pourtant bien fait. La belle lecture. La balle orange. Entre les mains de Benoissier. Le shoot d'Eric Afi. Eh bien, voilà le même problème qui va se poser ici à celui tout à l'heure. Du pied d'appui qui se retrouve à l'extérieur. Possession de balle pour les Blancs. Le shoot qui ne rentre pas. Récupération de Rolly Fula qui va rabattre sur Arsène Mwanga Mwamba. Mwanga Mwamba. Et la faute. La faute. Et donc, on va revenir là. Dans la moitié de terrain. L'ABC. ABC par son capitaine Stéphane Konaté. Il y va tout seul. Il va revenir. Le shoot. Ce n'est pas dedans. Et c'est sans souci aucun pour les Bleus qui se relancent. On y va assez rapidement. Il attaque l'anneau. Il prend appui, il en shoot et obstruction arrière sur Camille Kabangé. Attention, il n'est pas congolais, lui, Camille Kabangé. Mais c'est un voisin de la République démocratique du Congo. Il est rwandais, le poste 4 de cette équipe qui shoot et fait rentrer la balle à cet instant même. C'est la seule différence de nationalité dans cette équipe et c'est d'ailleurs le doyen de cette formation. Alors, 35 ans, il fait parler l'expérience sur ce lancer franc. Kabi Kabangé qui permet à BC Mazembe de revenir à 3 points d'ABC. Le score qui est désormais de 59 à 56. Afi. Eric Anderson qui aura obtenu une possession de balle pour son équipe. Et voici Sié Benoît pour se charger de la remise en jeu. Stéphane Konaté, le capitaine. Le capitaine. Il y a faute. Oui. Il avait engagé ses débats. En réalité, il est interdit de toucher sur le joueur en ce type de situation. Vous devez piquer uniquement le ballon, ce qui n'a pas été fait. Le lancer franc. Et en toute franchise, il la met au fond du petit filet. On va voir s'il va trouver le cercle horizontal. C'est fait. Et avec une aisance particulière, le capitaine Stéphane Konaté pour ABC Abidjan Basket Club 61
56 pour le BC Mazembe. Et pour l'instant, on va y revenir. On va y revenir. On va terminer cette attaque du BC Mazembe qui finit entre les mains blanches. Ils sont deux en situation de contre-attaque. C'était compliqué pour lui parce qu'il a manqué de bien saisir la balle. Et comme il sortait déjà de la zone autorisée, eh bien, il a trouvé un moyen intelligent de garder la possession de balle. Sorti à l'instant donc de Placide Makitu qui cède sa place à Jack Kapongo Kabuyo. Ah, qu'on n'a pas vu hein, depuis le début de ce match. Alors on vient de lui faire confiance au dossard 4 de l'équipe de Kinshasa. A free throw for the Ivorians. So 2 minutes 25 seconds to the end of this third quarter. On the free throw, I see Lassina Konate who concentrates and comes in and shoots, and he gets into the net. Gets into the net for one additional point for ABC of Abidjan Côte d'Ivoire. He takes the points, 30 to 62 points so far in this third quarter of the match. Afi Eric Anderson of ABC of Côte d'Ivoire comes in there with a second free throw and a second successful free throw there. Increases the points, 30 to 63. 63 points for ABC of Abidjan and 56 for BC Mazembe for the Democratic Republic of Congo. The boys in dressed in all blue who are going to benefit from a foul blunder by the referee of this match. The Congolese. Beautifully combined by Kambu Yimanga. It would have been a counter-offensive, but the Congolese were present there to stop that counter-offensive. And the attempt, a successful 3-point throw there for the Congolese, thanks to Fuma Woli, who increases his points tally to 59 for BC Mazembe of the Democratic Republic of Congo. As the Ivorians try to gain control of the game after having been superimposed a particular rhythm, a particular play style by the Congolese, as Afi Eric Anderson had a personal foul there. The referee says it's going to be a free throw for the Ivorians, a free throw that's going to permit the person in himself concerned, Afi Anderson Eric of the Ivorian team. He comes in there with a free throw. He doesn't get into the net. He doesn't succeed. Afi Eric Anderson blaming himself for a lack of concentration, blaming himself for lack of objectivity in terms of concretizing this free throw. He gets it again, and this time around, it is a successful free throw for Eric Anderson. Afi of ABC of Abidjan Côte d'Ivoire with BC Mazembe of the Democratic Republic of Congo that retaliates, but unfortunately there was a lot of physique, there was a lot of tension on the field of, on the court there that has left a lot of anxiety on the part of securing points as we play some 1 minute 34 seconds to the end of the quarter with a beautiful successful 3-point attempt there from BC Mazembe of the Democratic Republic of Congo, who increased their points tally to 62, just 2 points difference between BC Mazembe and ABC of Abidjan Côte d'Ivoire, just 2 points difference, making the match to become more and more attractive, making the match to become more and more tense, making the match to become more and more illustrating, making the match to become, I should say, more and more tense as to who eventually carries the day at the end of this match. Et c'est la première fois, Baldwin, qu'on observe un tel écart entre deux équipes depuis que ABC de Côte d'Ivoire a pris le large à la première manche. C'est-à-dire que la réaction de l'équipe de Mazembe cette fois-ci est un peu plus significative, même si c'est éphémère. Ce n'est qu'un effet passager visiblement, puisque là, le capitaine d'ABC de Côte d'Ivoire permet à son équipe de repartir à une longueur de 4 points en avant. Mazembe aussi. Il va tenter de passer. C'est compliqué entre deux. Ah, la récupération
avec Benoît. Benoît pour le capitaine. Et le retour en force avec pleine énergie de Jack Kapongo Kabuyo. Qui est ami de toute sa tension musculaire pour empêcher cette balle de monter. Mais peut-être que ça n'a été que partie remise, il n'a fait que retarder. C'était une fuite vers l'avant puisque là, le capitaine a l'occasion finalement de mettre son panier à travers le lancer franc cette fois-ci. Ce n'est qu'une transformation de ce qu'il voulait faire. Il a voulu marquer directement. Il en a été empêché. Et puis les deux rentrent. Ça fait les deux points. 6 points d'écart donc pour ABC Mazembe. Vers sa quête de sa première et unique victoire dans cette compétition. Mazembe, il est passé. Ah, on va sortir à nouveau de la zone des raquettes. Le shoot qui n'est pas dedans. Il garde son point et appui fixe. Ah, la feinte, elle est belle. La frappe. J'ai voulu dire le lancer. Le tir qui malheureusement ne va rien produire. Ah, il y a une situation de marquage permanent. Il y a un marquage permanent. Ce qui laisse croire qu'on a laissé l'option de la défense de zone. Ah, le shoot d'Emmanuel Nsungu. Emmanuel Nsungu qui l'a enfilé. On verra bien s'il peut rééditer. C'est fait pour les 2 points donc du BC Mazembe. 4 points d'écart à nouveau. Sié Benoît. Si Benoît, la recherche de solutions. Ah, c'est pas à l'intérieur. Finalement, il reste 5 secondes à jouer à ce troisième carton. 2 secondes, une seule. C'est terminé. C'est terminé. 68 points pour ABC contre 164 pour BC Mazembe. Eh bien, les deux équipes continuent d'évoluer de cette façon. Ah oui, comme des aimants au pôle inversé. Tu avances d'un pas, j'avance d'un pas également. Tu recules d'un pas, je recule d'un pas. Ah, cet effet magnétique. On verra bien la suite après la petite pause. Même ce scénario du Mali, c'est en train de me reproduire actuellement là. Le mec du Mali, la même chose, tu es en train de me reproduire. Le panier passé, tu ne m'as pas, tu ne fais rien, vas-y comment. On avait quoi? Le panier passé, vous l'avez avec cette main ici. Il va resserrer, défense dans l'eau. Donc, obligé donc de n'aille pour pas que à son arrivée, ça se donne au ça se donne au Le Palais des Sports, la dernière ligne droite. Le dernier carton qui va donc déterminer les qualifiés de cette poule. C'est vrai qu'un visage commence à se dessiner. Pour l'instant, si les choses en restaient là avec ABC qui mène 70-64, eh bien,
c'est bien ABC qui termine premier de cette poule, qualifié donc, suivi de AS Police. Seulement, ce n'est pas encore définitif, il faut attendre l'issue de ce match. La réduction du score. La réduction du score avec Rolling Fulanganga. This match, which is attracting some other spectators, Sevavist. You can see players of that should be Al Nasser or that should be Al Nasser of Libya. Quite interested in the outcome of this match because the outcome of the different four matches of today will tell us the four qualified teams for the semifinals of this qualifying tournament. We have two other matches left to be played today. One of the matches I know Cameroonians are anxiously waiting for to watch live on CRTV Sports and Entertainment from 7 p.m. tonight is the match that's going to pit FAP of Cameroon against AS Nigerek of Niger. FAP of Cameroon that had an impressive, what you refer to as in football as Raymond Tedda yesterday, an impressive performance that permitted them to win their first match in the competition. But here we are playing the fourth and last quarter of this second match of the day between ABC of Cote d'Ivoire, 70 points against Bese Mazembe of the Democratic Republic of Congo on 66 points. And it is a free throw for Bese Mazembe. And here comes Sungu Emmanuel. What is he going to do with that free throw? If he's going to concretize it and the ball doesn't get into the net, he fails to give his team one additional point in this very, very decisive quarter of the match. Looking at the net, he concentrates and shoots. And once more, Sungu Emmanuel fails to get any points out of the two free throws so far as the Ivorians retaliate with this counter-offensive and a beautiful three-point attempt shot there by Stéphane Konaté, but unfortunately didn't get into the net as the Congolese will retaliate through Fula Roli and move beautifully combines with Mwane Asen, who attempted a two-point shot there, but they didn't get into the net. The match becomes more and more fierce as the Congolese don't want to lose this match. Given that they have lost their two previous matches, it would simply be an honor for them to win their last match. Asa, they beautifully get a successful 3 points there, thanks to Fula volley. Rolling Fula Nganga, le deuxième meilleur marqueur de l'équipe du BC Mazembe, qui venait d'inscrire son 20e point et qui se rapproche donc de deux unités de Camille Kabangé, le Rwandais, doyen de cette équipe, qui en compte 22. Ah, ce sont donc les principaux marqueurs de cette équipe. Voici Mfula. Ah, il n'a pas eu de réussite cette fois-ci. Ce sera sans doute pour la prochaine. Benoît Sier. Benoît Sier pour Kouadio. Attention! Ah oui, c'est exact parce que le coup de fouet, ça n'a pas été sur la balle orange, mais plutôt sur les bras d'Eric Afi, qui lui recherchait déjà le cercle. Alors, ce sera une... Ah ouais, voilà, c'est une substitution. Mohamed Karaboué qui rentre donc, donnant la possibilité au capitaine de cette équipe d'aller souffler quelque peu. Ah, il aura beaucoup donné, hein. Le meilleur marqueur de la formation d'ABC, Stéphane Konaté, 18 points. Petite explication. C'est une mise au point en fait des officiels avec l'équipe du BC Mazembe. Le lancer franc. Eric Anderson Afi. Pour la deuxième détente. Eric Anderson Afi toujours, c'est à l'extérieur. Possession de balle pour le BC Mazembe. 7 minutes 20 secondes à jouer
71-69. Deux points d'écart. À nouveau, on y est. Manga Basketball qui regarde ce match avec beaucoup d'intérêt. Son destin repose entre l'équipe de la République démocratique du Congo. L'équipe de la République démocratique du Congo qui, en cas de victoire, ressusciterait donc Manga Basketball. Ah, ça n'est pas évident au regard, à la vue de la physionomie de ce match, qui a été dominé en termes de score par ABC de Côte d'Ivoire jusqu'ici, qui vient de reprendre l'avantage au score 74-69. Baldwin, c'est 5 points d'écart au moment où nous rentrons dans les 7 dernières minutes de ce dernier carton. Last 6 minutes, quite decisive. 6 minutes, 59 seconds left for this last quarter of the match, which will certainly be determinant for both teams. It's true that Bese Mazembe of the Democratic Republic of Congo may have lost hopes of securing a qualification ticket for the semis, but they don't want to go back home without at least an honorable win in this competition. And that's why they have been mounting a lot of pressure on the defense line for the Ivorians. Here comes Bese Mazembe via Fula Koli, who comes up with an attempted three-point shot. They doesn't get into the net. As the referee says, it was quite impossible for Sungu Emmanuel to continue with that action and get the ball inside the net. Time for the referee to step in and to permit play to continue between the Congolese and the Ivorians. It's 74 points for ABC of Abidjan Côte d'Ivoire and 69 points for Bese Mazembe of the Democratic Republic of Congo. 5 points difference between the teams. 5 points difference between the two teams. Previously, we had 15 points difference, but Bese Mazembe bounced back powerfully and reduced the points tally difference amongst them. Time for Benoissier of the Ivorian team to beautifully combine with Mohamed Karabwe. The Ivorians for ABC of Abidjan Côte d'Ivoire did not succeed through Lassina Konate. They believe that by penetrating and getting closer to the nets and looking for many rebounds or dunks in maybe that opportunity for them to get more points, as compared to the opponents who from afar get into a series of attempted three-point throws before praying for, like this one, three-point attempts, but it passes narrowly above the net, and Côte d'Ivoire through Afi Anderson saw his throw get millimeters away from the nets, and it wasn't a point secured there for ABC of Abidjan Côte d'Ivoire. It becomes more and more interesting to see how they can secure as many free throws as possible, but how possible is it going to be for Eric Afi Anderson to secure or to concretize this free throw that he has presently? He goes in and he doesn't get into the net. A failed attempt of a free throw for Eric Anderson Afi, who leaves his team so far at 74 points only and 69 points for Bese Mazembe. He goes with another attempted throw there, unfortunately for Afi Eric Anderson. Two free throws, two unsuccessful free throws, leaving his team down with just 74 points as we are playing some 5 minutes, 54 seconds to the end of this match. The Congolese continue, as the more the Congolese secure points, the more the Gabonese of Mangaspor are happy. They are watching this match keenly. Players of Mangaspor for Côte d'Ivoire, Mangaspor for Gabon, are praying and begging the gods that Bese Mazembe of the Democratic Republic of Congo should win the match, which is going to permit them to reignite hopes of qualifying. Ah, mais là, leur destin repose entre des mains plutôt fragiles. Bese Mazembe de Côte d'Ivoire, de République démocratique du Congo, mené. Ce serait bien difficile parce qu'il faut, pour cette équipe, de battre ABC de Côte d'Ivoire, avec un écart d'ailleurs de 14 points pour
pouvoir ressusciter Manga Basketball. Ça n'est plus le plus, ça n'est pas le plus évident. Et pour la première fois, Balin, pour la première fois, Bessé Mazembe passe. Ah, se rapproche. Se rapproche. Ah ouais, il se rapproche plutôt. C'est 74 points contre 77. C'est bien difficile. They have reduced the margin just to 3 points. Previously, we had a 15 points difference among the two. Now it's just 3 points. Ah ouais. Il y a cet écart qui balance. Il est très instable d'ailleurs. Il oscille entre 6 points et 12. 16 parfois aussi. Et pour le cas présent, l'écart est de 3 unités. Elle est dedans. Elle est rentrée. Cette balle, il la suivait derrière Bonassier. Alors que son coéquipier venu du continent américain, Jordan Reed, avait attaqué l'anneau. Il y avait une faute sur lui. Et juste derrière, c'est Benoissier qui est venu inscrire le point. Alors, lancer franc pour African, pour Abidjan Basketball Club. Et c'est dedans pour le 80e point. Ivoirien. Bessé Mazembe. Mazembe. Il a refusé complètement l'ancienne Konaté. À Emmanuel Izungu d'attaquer cet anneau. C'est la faute. Premier lancer franc manqué pour Izungu. Deuxième tentative. Infructueuse elle aussi. Le capitaine Stéphane Konaté. Stéphane, il va y aller tout seul. Et il en reste du tas double. Il l'a fait rentrer. C'était son projet. Au moment où il a engagé son élan, ses deux passes, ses deux pieds d'appui avant de s'envoler dans les airs pour toucher la plaque et puis le filet. Il aura droit à deux lancers francs, mais cela sera exécuté après le petit break, après le petit temps mort. Si tu me vois que moi je change là, toi prends mon gars derrière. Là c'est ses pieds. 1, 2, 3, allez, allez. Last quarter, decisive 4 minutes and 2 seconds to see whether ABC of Abidjan Côte d'Ivoire, Bessé Mazembe of the Democratic Republic of Congo will carry the day. Here is a free throw for ABC of Côte d'Ivoire, beautifully advertised by Stéphane Konaté, who permits his team to increase a points tally so far to 83 points as the Congolese will want to retaliate. The Gabonese of Manga Sports anxiously begging the gods that the Congolese of Bessé Mazembe should win the match. But unfortunately, it's going to be very, very difficult for the Congolese to defeat ABC of Abidjan Côte d'Ivoire with a 15 points difference. Here comes a successful free throw there for the Congolese by Kabuye Manga.
Kambuyi Manga will permit his team to increase a point tally to 77 points. Just 5 points, 6 points difference, 6 points behind Abessia of Abidjan Côte d'Ivoire. The Congolese, having lost their first two matches, will just wish to win this match to go back home with at least a victory in this competition. And a win for them with at least 13 points difference would be quite good for the Gabonese, whose hopes lie on their shoulders, whose hopes of a qualification ticket for the semis lie on their shoulders. We are some 3 minutes 54 seconds away from the end of this last quarter of this match. And from every indication, the Ivorians of ABC Basketball of Abidjan Côte d'Ivoire are confirming their supremacy and confirming their intentions of winning the match and picking their qualification ticket. Here comes the Congolese, but unfortunately there was a personal foul there. A personal foul on Placide Makitu, with the referee saying that it's going to be a free throw, two free throws for the Congolese. Will the Congolese make use of these two opportunities? The first free throw goes there. Unfortunately, Placide Makitu fails to concretize that, as the Congolese stay on 77 points after this failed attempt for the first free throw. And Placide Makitu goes again. He successfully puts and gets 1 point out of the second free throw there, taking the number of points to 78 so far. Some 5 points difference, or 5 points away from ABC Basketball of Abidjan Côte d'Ivoire. Sier Manuel of ABC Côte d'Ivoire, Benoit Sier, rather, was sandwiched there and permits the Congolese through Kambuyi Manga once more with a 3 point attempted shot there. It was very, very short. He did not get to the target. The target was the net. He wanted the ball to get into the net, but unfortunately it wasn't this case. As the minutes die down to seconds, we have barely 3 minutes to go. 3 minutes to the end of this match. The Congolese, via their tallest player with a very, very impressive morphology, Kambuyi Manga, they secure two free throws there. And I see Sungu Emmanuel on the ball to make use of these two free throws. He comes in there with the first free throw, but he doesn't succeed to put the ball inside the net. Emmanuel Sungu, a poor throw there. He comes in with the second free throw, but unfortunately, once more, he doesn't succeed, as the prayers of the Congolese won't certainly be answered. On l'espère bien, mais opération bien difficile à réaliser. L'équipe de Manga Basketball dans les gradins de plus en plus anxieuse. Vous pouvez le voir au haut de votre écran. Cette équipe qui espérait bien que son voisin de la République démocratique du Congo, BC Mazembe, pouvait la ressusciter en venant à bout de ABC par 14 points d'écart. C'était bien difficile. Sorti de ses abysses, le shoot, il est contré. Celui du capitaine par l'incontournable Kambuyi Manga. C'est autant plus qu'il avait déjà levé son bras. Le bras à lui seul, dont la longueur est d'un mètre 10 centimètres. Il est très grand. Il est très grand, Kambuyi Manga. Alors qu'à l'instant, c'est un temps mort. Juste avant le début des 2 minutes et 48 secondes qu'il reste à jouer. À la remise, nous nous plaçons comment? Et l'autre de la main est ici. Mais comment est-ce que vous vous mettez ici, vous tous vous prenez ici? Alors que la position, c'est celle-ci. Les personnes qui doivent vous dire ça. Ça peut être ça. Ça peut être le ballon facile, les gars. Le 15 à la maison, on est.
tout savoir. Le grand officiel est déqualifié de cette poule. La poule dit. Alors, on va recommencer par ce lancer franc avec à la manette Rolling Fula. C'est à l'intérieur. Pour le Congolais, et la deuxième tentative, Rolling Fula Nganga. C'est à l'intérieur et également. Ça permet à l'équipe tout au moins d'avancer 80 points déjà. Juste 3 points en arrière d'ABC de Côte d'Ivoire. Le capitaine Stéphane qui n'a pas atteint son objectif cette fois. ABC qui va tenter de contenir cette avancée de Bessé Mazembe. Il avait la possibilité de shooter Emmanuel Issungou. Bah, il a cherché plutôt à combiner. Il avait l'anneau offert. Aucun joueur qui ne le gênait en face. Ah mais bon, c'est un choix. Seulement, on voit bien ce qu'il a produit ce choix. Et voici, on est rentré dans les 2 minutes et 10 secondes qui restent à jouer dans ce match. C'est compliqué. C'est compliqué entre trois de pouvoir surgir et de chuter. Parfois aussi c'est osé hein, juste pour pouvoir obtenir, comme c'est le cas, une faute. Peut-être une possession, histoire de recommencer un peu plus librement. C'est exécuté. Mfula. Et la balle piquée à la régulière. C'était bien négocié par Eric Anderson Afri qui a profité d'un petit moment d'hésitation pour. On le voit. Pour récupérer la possession donc. ABC de Côte d'Ivoire. 1 minute 56 secondes à jouer. Sié. Capitaine Konaté. Oh là là, c'est au-dessus. Parce que là. Il a réussi la pénétration, c'était déjà bien. Mais le bras roulé n'a pas été maîtrisé parce que la balle va retomber d'abord sur la plaque du chrono et la partie supérieure de la plaque également. And that permits them to get that points there. 83 points for ABC Abidjan Côte d'Ivoire. 80 points for BC Mazembe. Just 3 points difference between the two. But even with 4 seconds, you can increase your points difference. Even with 5 seconds to the end of the match, you can secure even 6 more points. Oh, c'est la vu hier avec l'équipe de FAP. That is it. Ah, la miraculée d'hier. And that's why the Congolese don't want to relent their efforts. They believe that they can still deliver the goods with just 3 points difference between them and the Ivorians in this match. The last quarter, the last minutes and the last seconds of the match, of match day 2. The second match, rather, of the free action of this ongoing basketball qualifiers. ABC of Abidjan Côte d'Ivoire. We have Croix Ulrich who fights with Benoissier. Benoissier who has been very, very instrumental for ABC of Abidjan Côte d'Ivoire this afternoon. Ah oui, il est très fonceur. Hein? That is it. He knows how to get himself, he knows how to penetrate and get himself out by the opponents, which will be to the advantage of his team, Benoissier. And that's why the coach has been very, very watchful as concerns his positioning on the court this afternoon. We have 1 minute 20 seconds to go. Time for this technical break. Oui, 9 secondes. Soyons calmes. Match est en train de se faire. C'est leur ballon. C'est notre ballon. Ok. Camille,
some useful tips to the players. These useful tips that will be very, very useful during this 1 minute, 20 seconds to the end of the match. It will be quite decisive. Will it be an opportunity for Abese to carry another victory or for Bese Mazembe to go back home with at least one win in this competition where the two previous matches were not that good for the team? Bese Mazembe, they have 3 points difference from their opponents. Abese of Abidjan Cote d'Ivoire, we have a... There is another technical break. Ah oui, ce match, Baldwin, qui a valeur arbitrale. Ce match qui portera la décision dans ce groupe B. Ce match qui va déterminer laquelle des équipes est première, deuxième pour être qualifiée pour les demi-finales. Et cela se joue davantage entre ABC et AS Police qui n'est pas sur le terrain. ABC pour l'instant est premier de la poule, suivi de AS Police. Alors que Manga Basketball est en embuscade, seulement son destin, il passe par une victoire de l'équipe de BC Mazembe. Il faut que cette victoire soit bien large. 14 points d'avance pour réduire l'avantage au score de ABC de Côte d'Ivoire. The players get back to the court for this decisive last 1 minute 20 seconds of this match. ABC of Abidjan Cote d'Ivoire dressed in white for those who are just tuning in on CRTV Sports and Entertainment. Bese Mazembe of the Democratic Republic of Congo dressed in blue. They're on 80 points. ABC, they're on 83 points. Here comes a draw. Bese Mazembe, Kambuyi Manga, what does he do? In a beautiful combination, he tries to penetrate with this shot, but he doesn't get into the net. An unsuccessful attempt there as Benoisier of Abese of Cote d'Ivoire gets another point, two successful points for Abese of Cote d'Ivoire. They are increasing their tally, they are increasing the points difference. We are now some 47 seconds away from the end of the match. À tout à fait. Et Jordan Nourit, l'Américain, qui immédiatement attaquait l'anneau pour faire rentrer cette balle, inscrivant 2 points pour ABC, pour l'instant premier qualifié donc de cette poule. Il reste exactement 47 secondes à jouer, chrono arrêté. Pour l'instant, c'est une situation de lancer franc. Et c'est l'Américain, haut d'un mètre 93, qui va tenter. C'est sans succès cette fois-ci. La récupération pour les 40 dernières secondes. Le BC Mazembe sous la pression à la recherche de sa première et unique victoire. Attention, la récupération. Elle a paru régulière. Mais à la fin, on vient de sanctionner là une attaque arrière. Ah, malheureusement... Il est venu de l'arrière, Mohamed Karaboué. Pour sa deuxième faute individuelle, une attaque arrière, alors qu'il avait eu l'intention d'une défense pour son équipe. 31 secondes à jouer. Jack Kapongo, qui inscrit son lancer franc. Ah, petite explication. Petite explication. Il est question d'accorder les violons. Les arbitres vers la table. Et petit conciliabule à 3. Il faut régler. Il faut accorder les violons. Je crois que c'est fait cette fois-ci. On va décider de la suite. Ah, c'est annulé. C'est annulé, il y a uniquement qui vient confirmer la possession de balle pour l'équipe d'ABC. Pour l'instant, qui peut déjà se réjouir de sa qualification. Et en tant que première,
de cette boule de ce groupe B. 28 secondes à jouer. Et il y a faute. Parce qu'on a commencé à jeûner un peu plus haut pour éviter les pertes de temps. Mais là, c'est contre-productif puisqu'à l'inverse, cela a ramené plutôt un lancer franc. Cette faute commise sur Louis-Cyril Jean-Benoît Abraham Sier. Ah, c'est le joueur qui se distingue par le nom le plus kilométrique de cette compétition. 5 prénoms, il y en a. C'est vrai qu'il a aussi une persévérance kilométrique. Il est celui qui a toujours foncé dans cette équipe. Le meneur de ABC qui va inscrire son panier. Il est bien joyeux, on le voit. Ah, jusqu'ici, il est rassuré de jouer sa demi-finale. Lui qui mène par 4-6 points d'écart. Et voici le septième qu'il inscrit. Septième point d'écart pour ABC de Côte d'Ivoire. L'équipe qui est qualifiée donc. Le shoot. Et il y a faute. ABC de Côte d'Ivoire pour l'instant qualifié donc du groupe B. Et qui de ce fait qualifie aussi AS Police. Parce que c'est le deuxième qui dispose d'une différence de but de points de moins 2. Alors que Manga Basketball est dans les profondeurs. Eh bien, du fond des abysses, le compteur affiche moins 10 points pour Manga. Vous comprenez pourquoi il n'est plus possible à cette équipe, qui d'ailleurs ne joue pas, de pouvoir revenir. Le lancer franc, il est bien réussi. Celui de Jack Kapongo Kaboyo, le Congolais poste 2 de cette équipe. Ah, à l'extérieur, il va tenter. C'est réussi. C'est réussi, les deux lancers. Il est intérieur, hein, c'est, il joue au poste de pivot. Ah, il y a faute encore. Il y a faute encore. Sur l'Américain Jordan Reed. Alors qu'il reste 18 secondes à jouer. Jordan Reed qui va trouver lancer franc. Ça paraît négligeable la faute. Mais alors, elle est des moins autorisée. Parce que lorsqu'il y a une frappe sur le bras ou retenue par le maillot, c'est une faute antisportive. Le droit de correction à l'Américain, c'est réussi. Le lancer franc. Il aura une deuxième occasion. Deuxième occasion de porter le score, pourquoi pas, à 89-83. Ce n'est pas encore le cas. Jordan, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. En plus de cela, il a un bonus. C'est une possession de balle. Ah, ça fait mal, les fautes à valeur punitive. C'est pour cela qu'il faut les éviter au maximum. L'équipe du BC Mazembe qui court aussi vers un record dans cette compétition. 3 matchs sans la moindre victoire. C'est bien dommage pour les représentants de Kinshasa, les représentants de la République démocratique du Congo, pour qu'il reste 18 secondes à jouer dans ce match. Tout autant qu'à leurs adversaires à ABC de... Here comes the start of these last 18 seconds in this last quarter of the match. ABC of Abidjan Côte d'Ivoire, there was another personal foul there on Afi Andersenevic. A personal foul there, it has been multiplied. The fouls have been many. The fouls committed by the Congolese have been very many. And here comes another free throw for the Ivorians. And I see Eric Afi Anderson going in for that free throw. An opportunity for Eric Afi Anderson to increase the points tally for the Ivorians in this match. Some 16 seconds to the end of the match, and Eric Afi Anderson comes in and he makes good use of that free throw and secures more points for the Ivorians.
The second attempt, the second free throw for the Ivorians still with Eric Afi Anderson. He needs to concentrate to be able to concretize that other free throw. Goes in there and it gets into the net for an additional point. The points tally gets to 90 points so far for the Ivorians as the Congolese try to retaliate in a desperate attempt to reduce points tally. With a beautiful 3-point shot there from the Congolese that takes their points tally so far from 83 to 86. And we are playing some 8 seconds to the end of the match. 8 seconds with 4 points difference between the Congolese and the Ivorians. 8 seconds which will be very, very determinant. And it's going to be a free throw for the Ivorians, an opportunity for them to increase the points tally. And if Konate scores this and he increases the points tally from 90 to 91 points for the Ivorians, believing in themselves, thinking that within 8 seconds they'll be able to kill the match. With these points increase, they'll be able to kill the match. Et bien sûr, Balusama au-delà, il a lastifié l'écart. L'équipe est en train de conforter donc sa victoire. 92-86. Alors qu'il ne reste que 5 secondes à jouer. ABC de Côte d'Ivoire, premier de cette poule, selon toute vraisemblance. Cela ne fait plus l'ombre d'un doute. C'est terminé. C'est terminé donc. Le verdict est tombé. Les qualifiés du groupe B sont connus. Il s'agit d'ABC de Côte d'Ivoire, premier de cette poule, suivi de AS Police, deuxième de cette poule également, qui sont donc qualifiés dans cet ordre respectif pour les demi-finales. Ils attendront de connaître leurs adversaires à l'issue des deux rencontres de ce soir. D'abord à 16h30, GSP qui sera opposé à Al Nasser de Libye. Et puis à 19h, FAP du Cameroun qui recherchera aussi sa qualification face à AS Nijelek, déjà éliminé dans le compte du groupe A. Voilà donc ce que vous pouviez savoir de cette journée. Des qualifiés déjà, on attend les autres. Ce sera pour la suite. Vous aurez l'accompagnement en termes de commentaires de Gideon Tazo et Luc Perry-Wanji pour la suite. Et Evariste Yenga, il y avait également Paul Bilsama. Bonsoir et à la prochaine.